gang yo gen un temps devant yo pour yo déposer zam. Madame et messieurs, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y nous contenter la Carovin pour des nouvelles pour vous qui fait actualité dans moment qui n'a pas allé à la maison. Mais quel content la caille bandi yo, eh bien Babo Manti, Gary Conille, pour une belle décision pour bandi dans le pays d'Haïti. Eh bien, n'est-ce que content en pile, n'est-ce que jouer ça, t'as cherché à, eh bien d'être en noué. Et barbecue, t'as demandé si t'as parlé, eh bien, Gary Conille, t'es refusé barbecue, eh bien, il pas de répondre barbecue, eh bien, cette fois-ci, et Gary Conille répond, et n'est-ce que, madame, monsieur, eh bien, il m'a demandé pour tout, n'est-ce que, remettre ça, eh bien, son bagage, n'est-ce que, t'attends, parce que, n'est-ce que, père Kenya, n'est-ce que, père affronter Kenya. Dans le cas, madame, monsieur, nous pas connaît comment peuple haïtien pour réagir, est-ce que, n'est-ce que, pour mal y'ou faire dans le pays d'Haïti, pour moun y'ou faire mal, est-ce que peuple a pas d'accord, et pour pardonner Nexao, et bien Nexao fait connait y a quitté bandi mes amis. Nous pas loué combien bandi qui remet zam journée jeudi à la madame et monsieur m'écoute nous charger couler ba nous charger information pour vous en dedans tête vidéo des formations nous porter pour journée jeudi à la parce que bagay yo vraiment compliqué dans pays d'Haïti. Et bien pile nèg décidé remettre bout de fer illégal qui n'a meilleur la madame et monsieur. Bagay yo pas douze dit tout madame et monsieur, et bien nous toujours là pour nous informer de tout ce qui a passé à travers pays d'Haïti. Et bien pas bon menti dans moment barbecue a fêté en pile, barbecue content, barbecue c'est sale d'ap chercher, barbecue c'est sale. Et t'es besoin madame et monsieur, avant notre pif on a de ceci là, pas oublier abonner sur pour qu'on fasse un like vidéo pour partager ben plus monde pour vidéo ça qui arrive jeune plus monde madame et monsieur. Et bien nous iso village dit là il finit de message ça live la gagne un petit bout de vidéo sur page li et pour montrer contentement madame et monsieur nous pas quitter ouais petit bout de vidéo là dans fait vidéo là pour jeune qui content y a célébrer parce que nèg ouais si on quitter bandi et bien et même les remèdes d'âme, l'État pas fait rien, ils reconnaissent l'État, et bien, Nexao, pour bien passer, et Nexao, a semblé, a bien accès pour voyager, et bien, Nexao, pour jouer l'argent, t'es qu'on fait, n'en fait mon mal, non, bagay illégal, madame et monsieur, et bien, Nexao, grand pile chance, pour y'a pas donné toute bagay, pour Nexao. Madame et monsieur, bye, avis pas, on a espace commentaire, est-ce que vous senti, et, ou ap gen kè pou pardonne Nexao parce que débousser ay c'est conséquence c'est ou pou ba opinion pa nan espace commentaire est-ce que ou gen pardonnable pour Nexao si Nexao ta décidé remettre zam tout bon et bien est-ce que ou ap d'accord comme si pour Nexao ap sikile pour jeune Nexao te konn a fè moun mal et bien pour Nexao pour mal ou fè peuple haïtien krasé prison krasé business bloqué tout côté et bien et fè petit peuple la abi et bien est-ce que ou ap d'accord pardonner Nexao. Ba avi pa nan espace commentaire. Et bien, ça, c'est déclaration Gary Conille pour pardonner tout bandit dans le pays d'Haïti, t'as coup, Iso, la mosse juvi, et, en pile l'autre nègre encore, t'as coup, vite l'homme, et, mano, tout nègre en général, et bien, pardonnable pour tout Nexao, nan moment qui n'a pas l'air là. Mes amis, nous parlons qui t'ont donné, nous parlons qui t'ont ouais, ça qu'a passé dans le pays d'Haïti là. Et bien, nous faut qu'on ait, commissaire Miskaden, c'est un commissaire qui a fait un bon travail, et bien, peuple, au cas, il a demandé, commissaire Miskaden, pour venir au support, pour arrêter, et commissaire Richemont, nous connaît, qui déjà révoqué, pour mal, n'est que ça fait, et bien, peuple a trouvé, monsieur fait tomber mal, pour le pata pini, et bien, il a demandé pour monsieur pini, et bien, madame et monsieur, dans ce moment-là, bon, monsieur, il y a une lumière rouge sous tête, commissaire Richemont, parce que commissaire Miskaden décide tout bon, pour l'arrêter, commissaire Richemont, madame et monsieur. En tous les cas, nous pas connaît comment ça va le finir. En tous les cas, n'ap suivre n'importe quoi ça et n'ap informer de tout ce qui a passé à travers pays d'Haïti dans la diaspora. Mes amis, c'est comme ça information. Nous toujours là pour nous informer de tout ce qui a passé à travers pays d'Haïti. Nous parlons qui t'entendez et ouais, madame et monsieur, parce que ça qui a passé là, les concerne tout haïtien en général. Madame et monsieur, bonne audition, t'entendez un coupon. En attendant de causer. Locataire primatien qui c'est Gary Conille, monsieur Palais. Après qu'elle soit passée presque une semaine dans le pays États-Unis, elle t'a profité de faire un ensemble de réunions, un ensemble de rencontres. Selon PM Gary Conille, m'a cité, m'a répété. Monsieur dit que gang yo gen un temps devant yo pour yo déposer zam, rendre tête yo ben la justice et reconnaître autorité de l'État. Ça veut dire que c'est comme quoi m'a dit que Gary Conille dit que joue
barbecue compté. Jou organisation criminelle vivre ensemble compté. Parce que monsieur dit clairement l'état pas carrété dans une éternité attendre nèg déposer les armes et reconnaître autorité de l'état. Li persister sous ça encore. Li dit clair, c'est première étape là. Que nèg yo déposer les armes et reconnaître autorité rendre tout bail la justice, reconnaître autorité de l'état. Mais l'État pas qu'à faire un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, à attendre bandi armé. Et ça fait dire que ça, l'imande pour yon fait yon, que yon fait le rapide, parce que avant longtemps, l'État pral passer vitesse là. L'État pral passer sans relé vitesse de croisière là. L'État pral mette en TGV, train à grande vitesse. Et l'État pral vraiment comprendre que il agit. Et PM Garikoni, monsieur Redi, il répétait, m'a cité, l'État pral prend contrôle pays, hein, caille en caille, quartier en quartier, et ville en ville. Il persistait sur ça. Il persistait, et il était derrière, il signe derrière, comme d'habitude, il dit il signe derrière. Et je dis, hein, est-ce que PM Garikoni, parce que je dis un peu, mon abdi, PM, non, oui, ouais, c'est on est qui vraiment éloquent, elle a parlé, li vraiment comme ça l'abdi, hein, ouais, qui est posture premier ministre, dans le langage, li, ouais, c'est un grand intellectuel, son frère intellectuel, oui, c'est un technocrate, oui. Mais je dis, hein, pays, hein, société haïtienne, non, besoin d'action. Action dans mes conseils présidentiels, yo. Action nommé PM Garikoni, action nommé DG Ramon Normil, action nommé et ministre défense et ou état-major la meilleure. Yo besoin action nommé yo. Mettez avec mission multinationale soutien sécurité haïtien. Je dis hein, PM Koni clairement dit, li pa gen division avec conseil présidentiel yo. Sauf que li reconnaît qui a un problème communication qui vraiment existait entre la primature et la présidence, mais il y a travail sur ça pour que problème ça soit capable de résoudre. En tout cas, nous là, moi avec Desi Venesse, nous présents nous là, comme journaliste, comme directeur d'opinion, nous même, nous pas venir gérer Zebou Moun, nous venir gérer information, nous venir bay information, nous venir analyser information. Desi, sans blesser pour tout le monde là. Ma prenne ge Calblende Pro Max sim del konsa ba konnen non c'est ça oui et qui entre là pour jouer le samedi 6 juillet. La situation semble bagala pa poujet parce que communauté internationale là depuis un bon bout de temps cap viré tourner dans question vini mission multinationale là de fait on croit tout le monde te constaté yo rivé dans pays d'Haïti et kounya question matériel en pile monde t'a posé tête question est-ce que matériel adéquat a vini pour permettre que mission li réellement rentrer en fonction capable de travail parce que dans diverses fois que nous avons officier kenya ou dans la rue nous avons c'est à pied que yo y a fait patrouille y a fait monter descendre et bien pendant journée ailleurs avec personne gagné 4 blindés qui rentrent en dedans pays, c'est avion militaire américain qui débarque à Kyo Soutamak, aéroport international là. Machine blindée ça, c'est MRAP qui rentre en dedans pays. C'est MRAP, oui. MRAP. MRAP, oui, ok. Qui pratiquement vini, qui sans doute, c'est des blindés qui vont en pile, qui préparé pour faire combat. Je dis, bandit, yo pratiquement, cabrivé dans la dernière limite. Songez. Les États-Unis, département d'État, te promettent yon ensemble des blindés d'infanterie qui ont été de bail avec la police et la médaille tout doit utiliser qui va permettre de faire face avec sac banditisme qui a fait en d'un pays. Exact. Eh ben, pour poursuivre avec dossier mission multinationale là, Kenya déjà gagné un groupe officier qui est dans pays déjà de retour premier ministre Garikoni ou senti qu'elle joigne en pile espoir. Ou senti qu'elle joigne et bon côté communauté internationale là et mélanger qui montrait que pral résoudre problème qui gagne dans pays qui lié avec question insécurité qui bail en pile problème. En pile fois, gros question à poser qui ça cause la police et journaliste toujours gain couteau tiré dans activité officielle yo. Et bien la police jodi a on l'autre fois te gain et couteau tiré avec journaliste qui était rentré dans salon diplomatique là pour tal dans point de presse, conférence de presse et rapport que premier ministre Garikoni t'a bail.
gen yon policier ki an uniforme ki deklare journaliste yo bay problème, c'est eux même k'ap servi gang tout est nan capital pays a. Ça qui pratiquement c'était gros débat, en pile question à poser, qui ça policier ou vle faire? Là on connaît collaboration la police avec journaliste yo, c'est pratiquement des bagages extraordinaires qui ka permettre que travail arrive fait puis bien toujours les personnes. Chrétien qui nan communauté diaspora haïtienne nan yo frappé fort Blaise Peterson qui permet gros débat à fait sur réseau d'après Traster Grégory Toussaint responsable tabernacle de gloire. Il gagne un système audiovisuel qui installé dans nouveau bâtiment l'église qu'elle gagne qui coûtait 9 millions de dollars. Sorti dans achat terrain, passé dans plan, rivé dans construction, installation technologique bâtiment qui coûtait 60 millions de dollars. Ça fait gros parler à travers réseau. Moun yo même dit fidèle dans l'église a pas qu'à manger, il a fait don qui ka permettre 60 millions collectés pour construire l'église. Comme ça tout dans pile moun dit. Ça c'est pratiquement yon bon pas pour chrétiens haïtiens qui dans communauté internationale là qui voyait un exemple aller. Qui montre si communauté a vle mettez tête ensemble, gon paquet bagay que yo ka faire dans pays moun yo. Comme ça tous si yo mettez tête ensemble, gon paquet gros bagay que yo ka vinn faire en dedans pays d'Haïti, Blaise Peterson. Jodi a Haïti trouvé le non impasse, côté le besoin, toute petite ligue pour mettre main. Ancien sénateur, Nenel Kassi, mandé à la population pour mobiliser, pour porter et support par le conseil présidentiel transition, à tout gouvernement, et pour accompagner nos batailles pour résoudre le problème de sécurité qui gagne en d'un pays. Comment ça va le faire? Qui j'en va le faire? Nous pas connaît. Parce que jusqu'à présent, le peuple a dans la noisseur, le peuple a trouvé une situation qui est très difficile, il n'y a pas qui est-ce qu'elle veut faire confiance. Premier ministre, Gary Koni, nan allocution ni li montrer dédommagement pour moun ki victime yo nan ça qui passé en dedans pays nan tout ça brigandage li pratiquement dit li va laisser dans ton wè pour réparer moun sa yo et ka permettre que la justice triomphe pour permettre bandi sans foi ni loi yo cap terroriser moun cap saccager pays a pour y al côté on côté pour machine pas frapper ou bien dans opération que la police a mené si en bas balle c'est bas on rejoindre ça c'est cap connait même pas option pour déposer les armes c'est si vous voulez si on pas pour option ça eh ben la police avec force multinationale là, la frappe contre les situations. Deuxième, on va ajouter, me dit que, journée dimanche 7 juillet, ça, date ça, qui c'est 7 juillet, il fait exactement 3 années depuis que malfecté en Haïti, je me dis pas à la clé, malfecté en Haïti, classe politique traditionnelle, ça, mettez avec oligarque corrompu, TP ou ensemble de mercenaires étrangers, yote al assassiné président Jovenel Moïse en dedans chambre la Kaili sous cabane que il était couché avec madame ni Martine Moïse. Pas oublier non? Moi dit politicien traditionnel, politicien konze, politicien et soufkoute, politicien figi plat, politicien esclave mental enchaîné, oligarque corrompu. Et même communauté occidentale là t'es metté avec oligarque corrompu hein yo t'es payé une trentaine mercenaires étrangers pour entrer en dans chambre kay président Jovenel Moïse yo assassiné en pile moun arrêté en pile moun condamné dans dossier assassinat président Jovenel Moïse dans déjà et ordonnance nous pas oublier juge Walter Wessel Voltaire qu'il t'est rendre il t'est voyé ancienne première dame nan Martine Moïse, ancien premier ministre à l'époque Claude Joseph, ancien DG la police à l'époque Léon Charles, pour me citer ça ou seulement, a jugé devant tribunal criminel dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Non? Et yon nan alors, cerveau clé assassinat président Jovenel Moïse, selon DCPJ et la justice haïtienne, c'était Joseph Félix Badio. Il était arrêté, monsieur, dans fin année 2023. Je dis à qui ça passé? Est-ce que Badio, Félix Badio vivant? Qui ça Badio dit? Est-ce que transféré Badio à l'étranger? Qui ça a passé dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse? Non? Bien que nous connaissons, il y a un ensemble de partisans, un ensemble de sympathisants, président Jovenel Moïse, il continue à demander justice pour président Jovenel Moïse, c'est cas et militaire politique Rosemont Jean, qui lui-même t'est organisé à travers Fronop, une messe de requiem en mémoire du président Jovenel Moïse dans l'église catholique Christ-Roi.
Et il était clairement dit que dans la soirée vendredi et samedi 6 juillet, hein, environ 6-7 heures après-midi dans la soirée, il a organisé pendant un petit temps une veille patriotique. Et le dimanche qui c'est 7 juillet, il hein, a organisé des mouvements, il a sorti devant le président pour arriver devant Binu, il a sorti d'Elma 33 pour arriver devant Binu dans Pétionville pour encore envoyer un message ben, international, hein, puisque il dit clairement que la mort président Jovenel Moïse pas à planifier. Et mais là, dans City aux États-Unis, pour que les États-Unis acceptent que des mercenaires arrangés avec des oligarques corrompus pour entrer à tuer président Jovenel Moïse. Il y a plus de monde qui suspecte dans le président Jovenel Moïse. Non. Et veillez où qui m'en a tout fait, où qui m'en camoquin, où qui m'en assassin, qui prend un cadavre dans le cadavre président Jovenel Moïse non, pour faire campagne électorale. Yo. Veillez, parce qu'il y a pile là pour le servir de cadavre président Jovenel Moïse non, pour demander que pour faire capital politique yo, les pour gagner élection. Si y a gagner élection, comme pas connait si y a fait vraiment. Ma connait si et koni a fait vraiment, pas connait. Mais en tout cas nous là, ça qui la carrel. Même qu'on est grand pile zami cap garder émission ça. Même les qui ont terrain mais pas très bien Jovenel Moïse, même qu'on est grand pile monde cap suivre émission ça qui c'est deux mouns qui condamnaient la mort Jacques président Jovenel Moïse assassiné et qui toujours demandé justice pour Jovenel Moïse. Dans le moment ça désigne l'émission ça, ou même qui passent pour demander justice pour président Jovenel Moïse, écrit dans le commentaire ça. Justice pour Jovenel Moïse. Justice pour président Jovenel Moïse. Bien que nous connaissons une somme de 500 millions, mais 5 millions de dollars, quoi, si je ne me trompe pas, et y a bah avec Martin Abjé une portion, Jovenel Abjé une portion, on va y comme ça. En tout cas, Peba Isien dit, Jovenel Moïse parce qu'il était engagé pour le débat, Peba Lanti reste là. Oligat corrompu, machin pays, machin blackout, et ne quitte Kembe, et statu quo, ne quitte alimenter pays lok yo, jodi à côté yo, yo fin arrange yo, yo assassine président Jovenel Moïse, yo quitte pays, yo quitte jungle, yo quitte l'enfer pour nous en Haïti. Ben politicien imbécile, ben politicien soufflant chou, parce que jodi, nous te dit, si nous avons Jovenel Moïse aller dans mouri yo, mais Jovenel tellement aller le même mouri même. Est-ce que ça a changé? Non, ça va me changer. Et je veux dire, c'est même moun sa yo, kap ouve même bouche yo, kap di eh si, kap di sa, kap di se, kap di sa. Mais non, nous te gèlons pour nous détruire Jovenel. Et mais pas le moun kouna sa le fait, en sérieux. Désir, et nous allons venir avec, bah gonne, non, soit tout si moun souba Jovenel. Ben, Blaise, l'important, pour le gouvernement qui l'a, gouvernement transition, hein, ta l'ouvri pot, dans ensemble de discussions, dans ensemble de engagements qui ou ba y tete yo, dans sa qui gen pour avec justice, pour président Jovenel Moïse, qui mourit lâchement, assassiné, la Kaili. Et en plus, le monde a dit son complot, qui sortit au sein de Jovenel Moïse, qui était livré, l'un songé Dimitri Hera, et qui était pratiquement dans le cordon de sécurité Jovenel Moïse, qui était dans la prison, qui beaucoup n'y a bénéficié grâce que bandits ont fait dans la pénitentiaire nationale. Il va quitter Baïsa, impuni, faut qu'on va fait là-dedans, pour nèg ak femme qui est corps dans le pays, qui a contact avec la communauté internationale là, pour ne pas comprendre que vous capturez n'importe président qui veut élu dans le pays à mosquée dans le moment que vous avez indifférence contre lui, la situation. L'éclair des Ivenes qui est venu avec PM et PM Gary Koni, nous prenons avec Lila dans la déclaration qu'il fait pendant que l'ICA s'est retourné dans le pays et l'I parlait, il va présenter bilan. Bilan voyage li, et nous venons avec KPM Kouni. Avec première séquence ça, parce que pas de l'autre séquence pour qu'on capable faire débat sur yon des Ivenes. En dans des PM Kouni, et bien, nous nous tendez, soit aspect question sécurité, hein, et après ça, nous allons regarder l'autre point qu'il a touché. Nous allons venir avec KPM Kouni. Je peux réfléchir à comment je peut-être aider à clarifier la situation. Pour moi, la question sécurité, il y a quatre priorités. Première priorité, moi, c'est que tout côté, l'État pas là, il faut retourner avec l'État. Affaire de territoire que ne pas contrôler, il y a son priorité pour moi, pour l'État reprendre place. Retourner, institution retourner et que zone retourner en possession, en contrôle, en supervision, l'État. Deuxièmement, et ça, c'est une grosse priorité, il faut que nous soyons capables de retourner la caille.
il faut absolument que moun yo capable retourner la caille. Troisième priorité, il faut que moun yo capable circuler dans pays ya, sans que sauter. Absolument sans que sauter, monter, descendre, que coule dans tout pays normal. Quatrième priorité, c'est que moun ki victime yo, faut que yo joigne justice et réparation. Il faut que yo joigne justice et réparation. Tout ça me fait depuis me venir et tout ça me fait jeudi incluant le voyage et tout ça me va le faire dans les prochains mois, diamond clair. C'est autour de quatre priorités ça. Nous activer, nous faciliter, nous faire tout ça capable pour le premier contingent en venir. On travaille avec la police pour nous renforcer. On travaille avec la justice pour la justice présente. On travaille avec partenaires pour nous donner les équipements qu'il faut pour que notre police soit prête. Nous créons une task force entre la police et l'armée pour nous capables d'agir en tandem et pour nous capables beaucoup plus efficace dans ce qu'on a fait. On a analysé avec toute équipe, nous, toute entité, comment nous pouvons avancer pour nous récupérer et nous dire ça plusieurs fois. Quartier, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbralia, je suppose Noël, je suppose nous comprendre. Et c'est sous ça qu'on continue à aller. C'est clair. Pas de débat. Nous avons quatre bagailles que pour nous capables de sortir là de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut, pas de l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde montrer. On ne sait pas si peut-être ça suffit de pour un peu mieux, ça nous l'a dit. Donc, déposer les armes, il y a un programme qui est là pour ça. Pas qu'il n'y ait aucune discussion pendant qu'on a un fusil, un revolver, un arme ou quoi que ce soit, c'est la première démarche. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État. Laisser l'État qui contrôle les cotoyers, ou pas qu'à camper là, et puis pour dire, moun baka la donne. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, il faut présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comme on m'a plus clair. Le coup n'y a ou reconnaître ou accepter l'autorité de l'État, dans ce cas, si vous voulez parler, nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons fait sauver. Mais il y a des choses, des préalables. Et c'est sous ça que nous travaillons nous-mêmes depuis deux semaines, trois semaines, depuis le gouvernement là, maintenant. Et m'a profité de ça. Bon espace limité. On va attendre indéfiniment pour déposer les armes, pour suspendre le brigandage. On dit l'autre jour, le film ça va gagner, l'autre jour le fini. Haïti n'a pas perdu. Ça prend un jour, ça prend deux jours, ça prend une semaine, mais nous n'avons pas perdu la bataille. Ça. Et peuple haïtien n'a pas jamais suspendre la bataille. Donc, on fenêtre, pour nous déposer les armes, pour nous reconnaître l'autorité de l'État. Est-ce que suffisamment clair, je veux dire, est-ce qu'il y a un doute sur le côté de nous aller? Est-ce qu'il y a un doute sur l'arrangement que nous avons fait autour de moi? Est-ce que nous avons un doute sur la construction qu'a fait autour de moi? Que nous ne pouvons pas reprendre le quartier, nous ne pouvons pas reprendre le caillou, nous ne pouvons pas reprendre la vie nous, et que nous ne pouvons pas reprendre le pays. Si il y a un doute sur ça, eh bien, je veux dire, je ne connais pas de doute sur ça. D'accord? M'espérer que ça a fini avec toute bagaille sur les réseaux sociaux. Pem n'a pas les désirs. Et vraiment pas oublier, question est déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État. Depuis les PM dans tes îles, dans lesquels l'État fait conférence conjointe avec chef de délégation kenyan en Haïti, hein? Ça t'es envahi réseau. Et encore plus, pendant que PM dans États-Unis, dans l'interview que t'es avec Radio France Internationale, RFI, PM dans t'es encore répété même bagage ça. Bandio, qui pour déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État et après ça, qu'a venir à prendre. PM, dans la question qu'on freine, Jean-Alain Macajou, posez-le. Il montre vraiment ça crée un pile débat sur les armes. Même nous, même ici, on fait débat sur lui. Et même nous, même ici, on demande des amis internautes qui suivent nous, qui ont réagi sur lui, pas vrai? Oui, un peu de monde qui dit non, pas de négocier, pas de question, mandé, reconnaître l'autorité de l'État qui veut imposer l'autorité, pas de négocier avec Bandi, pas de. Ouais. Le gars de majorité réaction, yo, pas seulement dans l'émission Panou, mais sur tous les médias, les plateformes sur réseau, hein, et de médias traditionnels, nous, tout le monde, son seul bagage a dit, pas de question, négociation avec Bandi. Mais, après là, PM Koni, M. Poté de Andy, du plus, dans sa le dit. Hein. Parce que autrefois, elle pas mentionné des bagages comme si, et la vie reprend, ou dit, moi, est-ce que, mon Dieu, si qu'il est libre. Bon, oui, par rapport à ville en ville, quartier en quartier, maison en maison, ok. Mais Kounia, Livine a ajouté, faut qu'il y ait dédommagé et réparé mon qui victime. Ouais, ça? Quel que soit mon capsule, mon adhésif, longtemps dans l'émission, nous, yo. Ou après nous répéter ça souvent parce que comment l'État cherche ses partis bandits et moun ki victime yo même
Quand c'est pas si moun sa yo et qui ça l'état pral faire avec yo. Parce que moi t'ai vraiment persisté sur ça. Moi avec Desivenes, nous t'ai persisté sur ça, on ne peut plus. Je dis hein, moi certain que équipe communication PM dans carton de travail nous, j'ai obligé venir ajouter question, faut que dédommager mon victime. Mais kounya baba non menti messieurs dames. Oui, dédommager mon qui victime yo. Gien mon pour satisfait là. Faut ouais yo tout tout bandi honnête oui. Bien que ça va pas fait. Faut dire bagala clair Jean Lia. Tu y tout bandi de zéro jusqu'à combien il rivé hein, il pas pas fait. Et même l'état qu'a fait tout pas fait dans un jour. Il pas fait dans une semaine. Il pas fait dans un mois. Il pas fait dans une année. Non. Pour montrer nous oui. Mais kounya si que vraie bataille qui pour mener contre bandi yo pas seulement bandi à sa patio Jean que ancien colonel il m'a rébuté dit l'avant-hier Simon donc les gens me dit Simon m'a regardé dans vidéo next team 103 zombie bébé bougoyo m'a regardé un petit petit oui que moi estimé qui capable dans 12 13 14 l'année. Et yon pas plus que 10-15 comme ça. Avec ces deux nèg vraiment, si que la police a mené bataille, regardez, depuis 5 ans, yon tombe resokoui. Depuis 2-3 ans, yon tombe resokoui. Parce que yon pas gagné comme formation, yon totouni, yon pied à terre, yon souhait, yon sale, yon pas gagné dans la question zame, dans la question goumen. Donc, si vraiment, policier nous yon, et militaire la men nous yon, yo qui formé pour ça et préparé pour ça di yo ki matériel nan men yo y a goumen kont nèg ami kont moun sa mwen la yo y a pa ka goumen vraiment ça veut dire pour me répéter DJ Benel question résout insécurité son petit détail que lié son détail que lié mais faut qu'il volonté d'abord et l'aime si volonté politique d'abord faut que ni conseil qui la ou volonté ça ni gouvernement qui volonté pour ça et bay DG la police en moyen bay l'armée en moyen et même nèg mission qui la yo bay au moyen pour résoudre ça que la comme sécurité et n'a commencé ouais en grande partie résultat yo et baba nous menti parce que pas oublié et pas seulement moun 600 000 moun et 300 000 si moun qui était là quand qui besoin tout nos désir diaspora haïtien qui a des années pour qui va rentrer la caillien li besoin entrer la caillien Haïti tout parce que nèg yo prend bien yo nèg yo prend caillou ou imagine nos désir ça m'a dit hein a m'a dit gars qui d'accord avec pas d'accord ou imagine quand pile moun dans diaspora qui a écrit nous là à travers émission nous dans numéro ça qui est là 302 612 6531 les grand temps m'a pris ensemble de commentaires de messages. À 90% moun yo di Blaise désir nous besoin retourner la caille nous m'a dit prend caille nous dans et dans peignier m'a dit prend caille nous dans torsel m'a dit prend caille nous dans tabac m'a dit prend caille nous la plaine m'a dit ça veut dire moi même m'con tellement bouquer avec mais ça c'est yo me dit bon finalement ça m'a fait là moi même mais sauf que moi même le fait que mon assurance mon espoir mon garantie que Haïti pas arrêter comme ça Haïti pas doit arrêter comme ça et ça fait m'a toujours dit diaspora haïtien yo m'a pas dit ça PM nan, m'a pas parlé PM nan non, mais m'a dit nous clairement rete croyé, rete confiant que Haïti pas ka rete comme ça. Haïti pas doit rete comme ça. Faut gagner la paix pour que nous entrer la caille nous, n'al récupérer bien nous. Ça c'est une et faut entrer la caille nous parce que nous gagne des années que nous pas famille nous, faut ka loué yo. Bien même après que nous ta retourner Haïti et côté d'ailleurs, côté nous résider mais quand même rentrer la caille nous Haïti c'est nous envie ça. Et me toujours dit le désir. Moi même moi vle, ça m'a dit me clair sur lui. Moi vle fin année 2024 ça. Si mon Dieu la vie a prêté nous si soufflant toujours que au même cas jeune au moins 70% diaspora haïtien capable rentrer Haïti al passer fin d'année Haïti avec famille et qui ensemble de jazz haïtien qui obligé c'est à l'étranger c'est Canada c'est la France c'est États-Unis obligé à évoluer et mesure que yo même yo ka réaliser quelques balles Haïti pour mon al danser et pas balle voler bandi non mais bon balle de danse besoin que en février ou dimanche mars 2025 que ça a des années là que diaspora haïtien parce que pas oublier gars pile monde dans diaspora qui dans ces carnaval réduit là pour que
yo capable à danser carnaval national yo. Puis regardez, puis à danser yon. Moi qui dame là. Bon, même tout j'ai pas fini caser tout. Puis à danser une équipe, puis à danser un créole là, puis à danser un di boy. Puis à danser pratiquement besoin wesa femme, yo besoin wesa femme. Puis à danser, regardez, puis à regardez, quand ils avaient puis à bouer avec wesa femme. C'est vrai, fait année 2023, ça fait quelques petits balles, mais il va traiter trop, non? Mais vraiment, il y a des gens qui pas vraiment qui besoin de ces affaires. Mais tout ça pour nous dire, on nous encore tourner à Haïti, on classe nous. C'est vrai comme si pour nous dire que diaspora haïtien, moi-même, je voulais arrêter croire que ça, nous besoin de NBD. Et qu'il y a pile dans nous, pendant que Bandi a déclenché le mouvement ça en Haïti, qui dégage pour acheter mourir, mais malheureusement, même un dernier hommage que nous avons à l'assister dans l'enterrement. Nous avons souhaité, en fin d'année, ça là, l'entrée à Haïti, même son messe de requiem, même si un tonnel dans le cassé dans la mémoire, laisse ça nous faire ça. Désir, frère, nous avancer. La situation est importante, est nécessaire, parce que nous passons tout le temps, nous avons analysé le discours PM Gary Koni, nous avons analysé le discours conseiller présidentiel, nous avons analysé le discours de l'ensemble des militants proche gouvernement ou bien proche conseil présidentiel transition. Nous avons tout à demander, est-ce que il y a cherché à résoudre le problème de sécurité, mais réparation et restitution pour ensemble des gens qui font dans pays, est-ce qu'il a ignoré ça? Comme nous, le premier ministre Gary Koni, il est soucié, il est conscient qu'il connaît, il y a des gens qui vivent victimes dans le pays, même parce que Gary Koni, à travers le discours, ça, quel tourné, il va permettre que l'espoir bourgeonne pour côté peuple haïtien dans la capitale pays qui 80% sous contrôle bandit. Et dernier appel là, c'est dit bandit, viens déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État et la justice a gagné pour faire reste là. La situation de même passé, Gary Koni, il est correct dans ça, et c'est permettre que la police, l'armée, tant qu'on dit qu'elle pourra lui former une task force à Kyo. Qui va permettre qu'on fait travail à plus bien, nous pas qu'attendre que ça arrive fait. Mission multinationale là et contingent Kenya qui est dans le pays, c'est pas flaner pour venir flaner, mais c'est un combat pour venir parce que ils ont touché 600 millions de dollars dans quatre missions ça que ils fait partie qui dans tête là malgré nous vous entendez l'autre pays qui paraît pour faire déploiement pas pour venir rejoindre groupe Kenya qui est dans le pays à des situations. Mais matériel ils commence à augmenter, matériel commence à venir, ça baille l'espoir que pour la sécurité a les presque arrivent en beauté. Ou ça dit ça? Ou ça dit que c'est que gagne soir, mais c'est parce que ou qu'on ouais, c'est ensemble de blindés, transportation des troupes qui est souvent à bail avec la police. Mais je dis, quatre blindés qui vivaient hier samedi, qui descendent sous des avions militaires sous Tamak aéroport international de Saint-Louverture, du tout dit, ray bandio, ça c'est fini. Si bandio pas comprendre, il pas comprendre. Mais c'est ça, ça veut dire. Là où il y a des matériels de combat, on mettrait quoi? Parce que nous sommes dans des matériels, les au moins 100 vols d'affaires là. Nous disons, ouais, t'es un petit hélicoptère. Il y aurait des mini-crickets qui comptent dans la question d'opération. Ça veut dire que matériel adéquat pour attaquer Bandio, pour mettre Bandio, il était dans le lieu. Mais la population a besoin très vigilant, très prudent, parce que l'action que M. Karl posait là, action de dernier recours, action de résiliation que M. a posé, il y a combien en pile meurtre, il y a tout en pile monde dans le pays à des personnes. Mais PM n'a dit tout, n'est-ce pas très limité devant tout, c'est-à-dire l'État va qu'a été dans l'éternel l'abdi n'est que déposer les armes, et l'État va qu'a pouvoir plein en bas, plein pour moi, mes amis. L'État va qu'a pouvoir plein en bas pour moi, mes amis. L'État va qu'a pouvoir plein. Barbecue habillé rouge et blanc. Oui. Pour faire discours, pour faire l'histoire. Oui, plein ça, l'État pédé, PM a pédé, demandé. C'est bon, je peux faire plein ça, a demandé, l'État a pris souple, on comprend, c'est vrai, nous connaissons nous, je dis à bah, nous, chance, non. Et on peut faire pédé plein ça, ok. Donc, je dis à bah, PM, non, je dis, hein, l'État, Jean que, et DJ Benel te dit, hein, l'État qui est pour imposer autorité, c'est fini. C'est fini en avril. Désir, en nous déjà de dire, nous avons regardé séquences insécurité que Koni a porté précision sur l'IA, mais il y a de l'autre point que PM n'a été touché dans quatre conférences pour la presse à Kulbay et samedi, qui était 6 juillet, dans l'aéroport international tout seul le 28 ans, après qu'il se passait une semaine dans un ensemble de rencontres, un ensemble de réunions de haut niveau avec des diplomates de pays, tout ça, pour être comment que capable continuer d'aider Haïti dans la situation qui a été trouvée là. En dehors de PM, non, avec l'autre point qu'il t'a touché dans la conférence pour la presse.
Merci. Merci beaucoup. Messieurs, dames de la presse, merci beaucoup. M'a salué nous. Voilà, Mathéa, merci que nous venons là. Nous venons parler un petit peu de voyage nous sommes fait à Washington. Là. Pour qui ça nous allait, ça nous allait chercher, ça nous poté, et pour qui ça l'important pour nous. Dès le début, nous connaissons. Père Nantal fait marcher, papa, ça fait provision. J'ai coûté les chargés, coulé à Boloy. On a avancé nos PM. J'ai coûté PM dans chargé. Oui, bien. Mais que moi, je suis persuadé que il y a 4 bails qui pourraient arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier bail là, c'est que faut que toute société haïtienne soit engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui sont en otage, plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation côté une bagarre élection, nous avons une situation côté une monde qui a souffert. Premier bagarre là, c'est que faut qu'haïtiens mettent tête ensemble, société civile, tout le monde vienne travailler ensemble pour nous plus efficaces, pour nous reprendre destin nous en main, pour nous réussir transition. Deuxième bagarre qui est important pour réussir transition, c'est que institution marche mieux. Mais qu'a dit nous que moi hérité des institutions là à côté excessivement fragile. On a perdu volonté de travailler, en pile monde parti. Monde qui pour prendre décision l'institution pas là, police là goumé à zone ni très souvent. Donc deuxième partie important c'est que nous renforcer capacité instrument nous gagne pour nous capable adresser problème que nous gagne. C'est une bagaille qui très important pour succès crise. Troisième élément qui a aidé nous réussir dans crise là, c'est comment nous pouvons travailler utiliser avec en pile efficacité une pile gros armes instrument que nous gagne qui c'est diaspora noire. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens l'autre bord qui a gardé Haïti, je dis à moi, ils ont un avion plein à craquer et qui a cherché gens pour travailler avec nous, gens pour aider nous, gens pour supporter nous, gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demandes humanitaires que nous faisons, que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à Santéguin, le pays n'a pas la situation que l'il y a. Pourcentage, nous gagnons en général taux d'exécution excessivement bas. Projet, nous gagnons très souvent décousu, pas aligné avec la réalité de notre vie. Le sentiment de l'urgence, le peuple haïtien dit non, assez souvent, il n'y a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a pile d'autres crises à travers le monde. Pays qui habitués à nous accompagner, ils ont même tout, ils ont des propres problèmes, ils ont fait face à eux. Ils ont des préoccupations par eux. Le projet Haïti a son projet, ils la donnent depuis longtemps, 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 ils n'ont jamais faim. Donc il y a pile de raisons pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale, là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise, là, nous ne pouvons pas. Quatre éléments, ça, il faut jouer ensemble pour nous sortir dans cette année-là. Voilà pourquoi, depuis environ 2 semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères, nous, au Paraguay, côté de Dabral, une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous, pour le porter un message, pour le dire que nous avons fait progrès, nous n'avons pas avancé. Nous avons un accord politique qui bat nos systèmes de gouvernance cap-marché. Nous avons un conseil présidentiel qui choisit un premier ministre.